tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 mai, il est déjà 11h. Je vous ai pas pris avant parce que si vous avez regardé le vlog d'hier, vous savez pourquoi je GLS. C'est peut-être un colis pour moi ça. J'espère pas. Oui voilà, je vous ai pas pris avant puisque j'ai pas eu le temps. Si vous avez regardé mon vlog d'hier, je vous l'ai dit puisque ce matin, donc en rentrant de l'école, j'ai de suite mis la tounette au lit, j'ai terminé mon montage, je me suis douchée, je me suis préparée et là c'est pour ça que je pars, on va comme tous les jeudis à l'orthophoniste, mais les semaines d'avant pendant les vacances en fait je n'y vais pas puisque elle a des horaires un petit peu différentes, donc du coup voilà, je lui laisse faire ses autres patients. Voilà, alors ça y est, il est derrière comme vous pouvez le voir là. On va à l'orthophoniste. Bon, pour celles qui ne sont pas encore au courant et qui viennent d'arriver par exemple sur ma chaîne, en fait Nolan a des petits soucis d'élocution. Il n'arrive pas à prononcer certaines syllabes, certains sons, comme les S en début de phrase, ou les T, les P des fois, les. Par exemple pour fille, il dit pille. Enfin, il disait, maintenant il arrive à le dire. Fille. Fille, ouais, c'est bien, chérie. Voilà, avant il disait pi, par exemple, ou photo, c'est pareil, il disait poteau. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas encore à dire, Chachounet? Mais bon, enfin, je pense. Photo. 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 Non, photo. C'était pas dire. Mais si, puisque tu arrives à dire fille. Mais c'est pas dire, il est trop petit. Donc ça donne ça. Donc quand il arrive pas à dire, il s'énerve un petit peu et puis il nous dit qu'il n'arrive pas à dire alors qu'il pourrait très bien le dire puisqu'il arrive à faire l'effort de le dire. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on a des séances d'orthophonie. Bon, après on a déjà remarqué des grands champs. Enfin, on a remarqué des changements, on n'a pas remarqué des grands changements, mais on a remarqué des changements. Après, ça risque d'être un petit peu long parce que c'est compliqué. Il y va qu'une demi-heure en fait, parce que sinon après les enfants ils se fatiguent trop et ils sont plus assez concentrés. Donc voilà, une demi-heure, voilà. Moi j'ai 15 minutes de route pour y aller, donc toutes les semaines, voilà. Et puis c'est tout, du coup je vous retrouve tout à l'heure. Il est 13h30 et je m'apprête à aller à Leclerc puisque il me faut des croquettes pour la Ninette et du lait que j'ai oublié dans mon drive d'hier. Voilà, du lait et voilà, ça y est, j'ai un trou de mémoire. J'avais encore oublié un truc que je m'étais dit, non mais pourquoi tu oublies ça? Je sais plus ce que c'est. J'appellerai mon chéri pour lui demander, lui il saura. Bref, et donc du coup je vais aussi acheter, vous savez, le service service à vaisselle que je vous ai montré pas hier mais il me semble avant-hier dans le vlog. C'est un service comprenant 6 grandes assiettes, 6 petites assiettes et 6 petits bols. Voilà, moi c'était principalement pour les grandes assiettes que je voulais ce service. Il est tellement beau. Enfin, de toute façon, je vous le montrerai. J'espère qu'il en reste surtout. Il était seulement à 39€ avec tout ce qu'il y a. Je trouve que ça, franchement, ça vaut le coup. Et il me faudrait que des couverts aussi parce que franchement, mes couverts, ils laissent à désirer en ce moment. Donc, on va voir tout ça et puis de toute façon, je vous montrerai tout ça comme d'habitude. Alors il est 15h et du coup je reviens de chez Leclerc comme je vous ai dit. Donc j'ai juste repris deux poivrons rouges, ça c'est pour faire la chachouka, la chachouka. Je sais jamais comment ça se prononce, je sais comment ça s'écrit, mais là la chachouka. De la mâche comme tout le temps, là j'ai enfin retrouvé des pousses, vous savez les alpha,
C'est des pousses de salade, là, vous savez. Des graines germées, plutôt. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et les alfalfa sont très très bonnes. Moi, j'aime bien mélanger avec la mâche et tout. C'est très très bon. J'ai enfin trouvé de l'ail fumé que je cherche depuis un petit moment. Voilà, ça, j'en ai entendu beaucoup parler sur la chaîne de Maritza et Isadora. Et je cherchais aussi du paprika fumé. Par contre, paprika fumé, c'est impossible à trouver. J'ai cherché partout, je n'en trouve pas. Donc bon, voilà. Au moins, j'ai trouvé l'ail fumé. Déjà, c'est déjà ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau odeur. Je vais sentir ça de suite après et je vais vous dire. Ensuite, pareil en épices, j'ai pris du country potatoes. Ça, c'est justement pour faire des petites potatoes au four. J'ai envie de les faire ce soir, justement, avec ces épices-là. Et justement, dans ces épices, il y a du paprika fumé. Donc, super. Et j'ai pris du sel marin. Vous savez, c'est le sel aux plantes et aux, enfin, non, aux légumes frais plutôt. Plantes et légumes frais. Il est très très bon ce sel, j'adore vraiment. Là il y avait une promo sur les laits végétaux, donc j'ai pris du lait végétal de riz. Apparemment c'est pas mal. Je crois que je me suis trompée. Ah non, c'est celui-là plus calcium. Ouais, donc c'est bon. Et c'est du Alpro, la marque. Bon, je suis en train de tester, hein. Je teste un peu toutes les marques pour voir ce qui me convient le mieux. Donc voilà, j'ai pris ça pour goûter. Là je croyais qu'il y avait une offre, deux achetés et trois gratuits, mais en fait sur ceux-là il n'y avait pas d'offre. Mais c'est la grosse arnaque puisque c'était dans le rayon où il y avait les offres, mais en fait c'était pas sur ceux-là. Donc voilà, super. Hein. Donc caramel à la pointe de sel et sésame grillé parce qu'il est trop trop bon celui-là. C'est vraiment un régal. Des graines de chia, comme toujours. Des Haribo marshmallow. Il y avait une offre aussi, je crois qu'ils étaient à 69 centimes le paquet là. Donc voilà, j'en ai pris parce que c'était pas très cher. J'aimerais bien les faire griller. Du porridge figue framboise, ça m'avait l'air tellement bon là, comme ça en couverture là, pour mes porridge, pour mes overnight porridge, ça a l'air trop trop bon. Je pense que ça serait le top. Et enfin des croquettes pour la mimine des Purina One. Et le fameux service que je vais déballer de ce pas, c'était le dernier qui restait en rayon. Donc là, c'était clair que je pouvais pas louper l'occasion, donc je l'ai pris de suite. On va ouvrir ensemble. J'ai été à l'accueil pour ouvrir quand même, pour être sûr qu'il n'y avait rien de cassé. Mais en fait, regardez, vu comment il est emballé, j'avais pas envie de m'embêter à tout sortir parce que sinon j'allais plus pouvoir tout remettre et pour le transport ça n'allait pas être possible. Donc voilà, mais je vais déballer ça et je vais vous montrer ça de suite. Et voilà le service, donc ce qu'il donne, ça c'est les petits bols. Bon, ils ne seront pas super utiles, hein, mais bon, c'est toujours très joli, je trouve. Ils sont tout petits, ça sera parfait pour des bol cakes, je pense. Voilà, les motifs. Et donc, les assiettes. Donc, il y a 6 petites et 6 grandes. Et c'est les mêmes motifs pour les grands et les petits. Voilà, ça. Là, vous le voyez plus ce gris, mais c'est vraiment du noir. Hein. Et les deux dernières, mes préférées. Celle-ci, qui est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment trop belle, celle-là. Et celle-là aussi. Vraiment superbe. Mais vraiment. Pour 39 euros, un service comme ça, ben je le trouve vraiment très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je sais, peut-être que je vous saoule en fait avec. Mais voilà, j'ai vraiment trop adoré ces... Parce qu'après, c'est vrai que vous pouvez en acheter à l'unité des assiettes dans ce style. Hein, mais c'est vrai qu'acheter à l'unité, ça revient vraiment très cher. Comparé à là, pour 40 euros, voilà, vous avez vraiment le complet, le total. Et puis tout est assorti. Et voilà, je pense que les assiettes que je vous ai parlé, les autres, je vais les donner à Emmaüs. Voilà, au moins, ça servira à quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est qui est rentré? C'est mon amour! Salut! Je lui disais que vous étiez plusieurs à me dire qu'il vous manquait dans les vlogs. Donc il était tout content quand je lui ai dit ça. Hein? Oui. Et voilà, il est de retour. Ça te fait plaisir d'être de retour? Oui. Nous aussi. Il a bronzé, je trouve. Hein. T'as bronzé? Oui. Sur mes bras aussi. Sur mes bras aussi. Bon, là, Tounette, elle s'impatiente là-bas. Attends, viens, on va la voir. Ah, Tounette. Ça.
Donc là, il est 16h. Du coup, on va aller en famille chercher Nono. Tu viens avec nous? On va aller en famille. Ça fait du bien que tu sois là. Ça te fait plaisir aussi de revenir? Oui. Et regardez, il a sa petite dent qui a poussé enfin. Attendez, je vais vous montrer ça. Enfin. Attends, bouge pas. Vous la voyez là, sa petite dent? Ça y est, ça pousse. Alors pour ce soir, j'ai coupé des patates douces en petits cubes. Voilà, et je les ai fait mariner un petit peu dans donc de l'huile d'olive, du sel, vous savez ce mélange, le fameux mélange là pour potatoes, country potatoes, et de l'ail fumé du coup. Voilà, j'ai tout fait mariner là correctement je vais enfourner. Je sais pas combien de temps, étant donné que je fais au pifomètre, moi je regarde au fur et à mesure le temps, etc. Voilà, je vais manger ça avec une petite salade pour les garçons. Je vais leur faire des saucisses, je pense. Et voilà, je vous ai pas pris avant, puisque là en fait il est déjà 7h moins le quart. Je vous ai pas pris avant, puisque j'ai profité donc des vannes. J'ai également coupé les cheveux des garçons. Des deux garçons. Et ensuite, je me suis occupée de la Tounette, puisque elle râle beaucoup encore aujourd'hui. J'ai pas 30 secondes à moi pour justement préparer à manger là. J'ai dû demander en fait à Evan de la prendre sur les genoux, sur le canapé, puisqu'elle ne voulait pas être autre part que dans les bras. Donc vu que moi il faut quand même que je fasse à manger, même avec le porte-bébé, même dans le porte-bébé, elle ne voulait pas. Elle voulait vraiment que je la prenne dans les bras, être contre moi, mais vraiment que je la prenne dans les bras quoi. Donc voilà, donc Evan l'a prise pendant que je faisais ces petites pommes de terre là, et du coup là ils sont en train de jouer ensemble les garçons. Pour l'instant ils ne se disputent pas, puisque voilà, au début quand Evan revient, ils se disputent pas, mais bon, ça va très vite arriver comme d'habitude. C'est les garçons. Les garçons, vous venez? Je vais vous montrer leur coupe du coup, comment je leur ai coupé les cheveux. J'aurais fait vraiment la coupe été hein, cette fois-ci. Ben on va montrer la coupe. La coupe de cheveux. Alors Evan, je lui ai fait vraiment court sur les côtés. Sur les côtés et donc à l'arrière et au-dessus, juste un petit peu plus long. Un petit peu, on le remarque pas comme ça, mais c'est quand même un petit peu plus long quoi, le dessus. Parce que voilà, j'aime bien lui mettre du gel de temps en temps. C'est bon. Et Nono, t'as vu ce que je fais? J'en ai déjà mangé. Ah ouais? Bah ouais. C'est des patates douces hein? Oui, t'en as déjà fait. Ouais, j'en avais fait, mais je sais pas si je les avais fait comme ça. Nono? Ah, c'est à toi. Tu viens? On va montrer tes cheveux? Ah. C'est bon, c'est bon. Voilà, alors Nono, tourne-toi. Non, non, c'est pareil, hein. Court derrière, sur le dessus, un petit peu plus long. Vas-y, baisse la tête, voilà. Baisse. Non, mais pas comme ça. Non, mais là, j'arrive pas à suivre. Baisse la tête, simplement. Voilà, comme ça. Et voilà, sur le dessus, un petit peu plus long. Et puis, voilà, ça leur fait au moins... je suis tranquille pour un petit moment, au moins pendant 2 mois, quoi. Un mois. Un mois et demi, on va dire. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Et voilà, et puis sinon à part ça, j'avais plus rien de spécial à vous dire. Je vous montrerai évidemment le repas tout à l'heure. Bon, et bien voilà, il est 19h50 et du coup j'ai dressé donc les potatoes, des petites potatoes de patates douces, de la mâche avec mes germes, avec mes graines germées là. Et team avocat en force. Ça me fait tellement plaisir de remanger des avocats, j'avais tellement envie. Et à côté donc du concombre, et là c'est ma vinaigrette. Voilà voilà, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ah, meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h15
Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait comme infusion, puisque je l'ai gardé exprès le sachet pour vous montrer. C'est une infusion élimination et bien-être, queue de cerise, reine des prés et baie de cassis. Voilà, c'est de la marque Elephant. Cette fois-ci, je pense que dorénavant, je vous montrerai en fait à chaque fois comme ça, avec le petit sachet. Ça vous parlera plus, je pense, si je les ai, hein, parce que souvent, hein, des fois, c'est des. Vous savez, les sachets pyramides, là, et il n'y a pas le sachet avec. Donc, quand je les ai, je vous montrerai ça comme ça vous parlera plus, comme ça, je pense. Regardez le pyjama que j'ai. J'adore ce pyjama. Ça me rappelle trop mon enfance. Bref, donc oui, là j'ai donc monté et à côté, chocolat au sésame grillé, j'adore, trop trop bon. Il existe le même avec du quinoa, il me semble. Il paraît qu'il est aussi très très bon, mais je ne l'ai pas encore goûté. Dites-moi si vous avez goûté, comment il est. Encore une fois, ce soir, il n'y a rien à la télé. On se demande des fois pourquoi on paye une redevance, mais franchement, il n'y a rien, encore une fois. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais me regarder des vidéos comme d'hab, traîner sur internet comme d'hab. Et voilà, tout à l'heure je vais me démaquiller avec mon démaquillant comme d'habitude qui est dans ma commode là comme d'habitude. C'est vrai, je vous le dis tout, enfin je vous le dis jamais d'ailleurs, mais je reste maquillée en fait très souvent jusque quand j'arrive au lit. Puisque soit j'ai la motivation et je me démaquille avant quand je vais me brosser les dents. Ou soit je me démaquille le soir quand j'arrive dans mon lit. Et avant de dormir, je vais tout le temps aux toilettes pour faire mes besoins, puisque je bois beaucoup de thé. Je vais me brosser dans ce moment-là. Voilà, comme ça vous savez tout. Et donc voilà, je suis démaquillée à ce moment-là. Donc voilà, bref. Du coup, j'espère que le vlog vous aura plu. Ça me fait tellement plaisir de retrouver Evan. Demain, il a eat call. Par contre, ça a piqué pour lui puisque ça faisait une semaine et demie. Du coup, depuis qu'il était chez ses grands-parents, qui se levait à 10h, qui se couchait à 10h aussi, je crois, un truc comme ça. 10h, 11h. Donc là, ça a piqué. Il avait déjà du mal à dormir. Il avait déjà du mal à dormir là ce soir. Donc, bon, c'est comme ça. Il faut qu'il se remette dans le bain. Et puis, c'est tout. Faites de gros bisous et je vous dis à demain.